Va sans doute partir assez vite, semble-t-il. Et il y a une faute là au centre. Attention, c'est le favori, je pense, ou l'un des favoris en tous les cas. Gaillard d'attaque que l'on voyait bien à l'arrivée. Le 5 à la faute, donc avec le 6, c'est Lolit Foss qui prend l'avantage. Le 8 est là, Let's Go Loco. Ensuite, le numéro 7, Gamin de Cocktail. Quatrième position pour le 2, c'est Kentucky. Et puis on vient ensuite avec le 3, c'est Ivana Europort. Alors qu'on est resté au départ avec le numéro 4, Kelly Zwartland, pour lequel c'est terminé. On a perdu beaucoup de chance également avec le 5, Gaillard d'attaque, qui est disqualifié, tout comme le 4. Faute dans ce premier virage, numéro 7, Gamin Cocktail. En tête de course, petite bagarre avec Lilou de Fosse, hein, qui tire beaucoup. On fait le forcing avec Nick Vervloot et le numéro 8, Let's Go Loco. À quelques longueurs, on retrouve le numéro 3, Ivana Europort. On est bien parti du deuxième rang, même très bien parti du deuxième rang, en 5-6e position, avec le 10, Formini de Jupy, qui est précédé par le numéro 2, Cantiquité. Voilà, Let's Go Loco qui a hésité à prendre le dos finalement de Lolit Foss, mais finalement, eh bien, il est passé devant. Hein. Attention, 5 disqualifiés, le 1, le 4, le 5, le 7 et le 12, pour être précis, avec Let's Go Loco, le 8, l'attaque en dehors du 9 et Côte de Pertuis. Dans la corde, on retrouve en deuxième position Lolit Foss devant Ivana Europort, le 3. Oui, beaucoup de disqualifiés dans cette épreuve alors qu'on a à peine parcouru un tour de piste. En tête de cette épreuve, c'est Let's Go Loco qui contrôle pour le moment. On est sorti de la corde avec le numéro 9, Écho de Pertuis, peut-être pour durcir l'épreuve. L'animatrice de la première heure, Lilou de Fosse, est en troisième place, accompagnée par le numéro 2, Cantuquité. Toujours bien placé côté corde avec le 3, Ivana Newport, Europort, pardon, accompagnée par le 10, Formoni de Jupil. Oui, eh bien, on dirait que Let's Go Loco est dans un bon jour, hein, même si Écho de Pertuis, évidemment, vient lui prendre l'avantage. Il n'y a pas lieu de forcer. Le 9 devant le 8, ensuite un peu plus loin le 2, Kentucky, devant encore le numéro 10, c'est Farmoni Dupy qui s'est très très bien rapproché. Le 6 est disqualifié. Pas beaucoup de temps mort dans cette épreuve réservée aux apprentis, un nouvel animateur qui met le feu dans la course, on peut le dire. C'est le numéro 9, Écho de Pertuis, qui prend 2 sulky d'avance sur le 8, Let's Go Loco. 2 sulky d'avance également d'avance pour sur le numéro 2, Kentucky. On tente de faire la jonction avec Formoni Dupy, avec le 3 en 5e position, Ivana Europort. Il reste 6 chevaux qui ne sont pas disqualifiés, avec le 9 en tête, Écho de Pertuis, toujours devant le 8, il s'agit de Let's Go Loco. On se décale avec Ivana Europort, le 3, tandis qu'en 3e position, on a toujours Kentucky, le numéro 2, avec également le 10, Farmoni Dupy, dans la corde. C'est toujours l'animateur qui est en tête, bien sûr, c'est le numéro 9, Écho de Pertuis, mais attaqué dans quelques instants par le numéro 8, Let's Go Loco, attaqué également au centre par Farmoni Dupy. Il est tout à l'extérieur, le numéro 3, Ivana Europort. Allez, le 9, Écho de Pertuis qui plafonne un peu, il a beaucoup tenu cependant. Le 8 est là, Let's Go Loco, Farmoni Dupy, puis Ivana Europort. Et dans la corde, on n'est pas battu non plus, peut-être pour une place avec ce numéro 2, Kentucky. Ah, rien n'est fait pour la victoire avec Écho de Pertuis qui ne lâche rien côté corde au centre de la piste. Farmoni de Jupy, tout à l'extérieur, Ivana Europort, Écho de Pertuis à la corde qui se montre fautif et qui laisse la victoire au numéro 10, Farmoni de Jupy qui s'impose. Deuxième place pour Let's Go Loco, troisième place pour Ivana Europort et quatrième place pour le numéro 2, Kentucky.